Merci d'avoir sauvé cette taupe. C'est très gentil de votre part. Voilà une pile d'énergie pour vous. Je vais pouvoir poursuivre mes recherches. De retour, les garçons? Garçons? Hé, hey, poupée, je suis un grand... truc poilu. Oh, devinez quoi? Avec la permission de la dame aux oiseaux, j'ai équipé le bébé flûte-flûte d'une selle. Il semble qu'il y ait un transpat précurseur dans le marécage. Si vous le trouvez, je vous enverrai le flûte-flûte avec tout son équipement. Il fait de grands bonds, cela pourrait vous être utile pour traverser le goudron. Tu peux tirer des boules de feu quand tu es chargé en écho jaune. Peut-être éviter les chauves-souris. On devrait tirer sur ces gros rochers qui maintiennent... T'as vu ça? Ça a dû faire mal, ça! Faut que j'appelle du renfort.
Waouh! Plus que deux corps. C'est dirigeable, tiens à peine! Trouvons la dernière corde! Attention, Jack! C'est une embuscade! Salut vous! Il vous plaît mon marécage? C'est à moi tout ça! Tout ce qui ne s'enfonce pas dans la vase! Ouh! À l'odeur! Votre baignoire a dû s'enfoncer dans la vase depuis des lustres! C'est quoi une baignoire? En tout cas, j'ai d'autres problèmes pour l'instant. On dirait que des vermines de lurkers sont dans le coin et posent leurs sales petites pattes sur tout ce qui bouge! Ça effraie mon hip-hug, tu sais faire dire. Ça fait des lustres qui est pas revenu. Je lui ai préparé son plat préféré. Mais ces sales rats n'arrêtent pas de tout voler. Si vous pouvez éloigner ces sales petites bêtes assez longtemps. Je sais que Farzi sentira sa bouffe et reviendra. Vous allez m'aider, hein? Bien. Ces rats vont bientôt revenir. Descendez-les tous. Et empêchez-les de manger au moins un des plats. On l'a eu! Yahoo! Par là-bas! Bien vu! Bien vu! On l'a eu! Par là-bas! Très long! Bien vu! On l'a eu! S'il te plaît! Par là-bas! S'il te plaît! Par là-bas! S'il te plaît! Très long! S'il te plaît! Très long! Bien vu! Bien vu! Par là-bas! Très long! Par là-bas! S'il te plaît! S'il te plaît! Yahoo! Par là-bas! Bien vu! S'il te plaît! Par là-bas! Par là-bas! S'il te plaît! Bien vu! S'il te plaît! Par là-bas! S'il te plaît! Non, c'est ça, là! Ils sont vraiment rapides! Pas vrai? On remet ça?
flûte flûte, qu'il pourrait encore s'avérer utile. Maintenant, retournez au transpad et je le ramènerai à la maison. Moi, j'adore la vase. Jouer, Jack. Ton oncle serait fier de toi. C'était le bras géant d'un robot précurseur. Je n'en ai jamais vu en aussi bon état. Je ne sais pas ce que les Lurkers avaient l'intention d'en faire, mais sûrement pas quelque chose de bon. Si tu continues comme ça... Non, tu n'es pas encore un héros, mais... persiste. Ça vient. Fantastique. Vous m'amenez les orbes précurseurs. D'accord, je vais réparer le pont.
Mais je ne veux plus jamais avoir affaire à cette créature. Bon, qu'est-ce que vous attendez là? Ça commence à gratter! Battez le record du défilé du défunt et à nous la victoire! Super! Vous avez les piles pour la machine! Elle devrait fournir assez de puissance pour soulever ce rocher. Nous y voilà! Attention en combattant ce monstre lurker au sommet! Attends! Je vais rester ici et protéger Kiera. Jack, je crois que tu peux t'occuper de ce monstre sans moi. Oh, c'est tellement héroïque de ta part! Bien joué!
Les gens du village des pierres sont soulagés. Mais nous n'avons pas le temps de fêter ça. Utilisez le zoomer pour traverser le col de la montagne. Attention, on dirait que les lurkers ont piégé le col avec des explosifs. Quand vous atteindrez le cratère volcanique, arrêtez-vous au labo du sage rouge et activez la porte de téléportation pour que Père et moi puissions vous rejoindre. Oh là là! Ces lurkers doivent être en route vers le détonateur au bout du canyon! S'ils l'atteignent avant vous, ils détruiront tout le col! Doublez-les et détruisez le détonateur ou tout sera fini! On les a empêchés de faire exploser le... Bien joué! Vous avez atteint le détonateur avant eux! Le labo du sage rouge est juste devant. Allez activer la porte de téléportation pour que nous vous rejoignions. J'ai toujours l'impression de laisser un morceau dans ces trucs-là. Parlez, Yako. Le labo du sage rouge a l'air en pire état que celui du sage bleu. Eh bien, on dirait qu'il y a eu de la bagarre ici. Je n'appellerai pas ça une bagarre, n'est-ce pas, ma chère sœur? Certainement pas. Le sage rouge ne s'est pas beaucoup débattu. Ce n'était même pas drôle. Drôle? C'est toi! Tu as fini par perdre la boule, hein? Et Maya, je t'avais dit que l'écho noir finirait par vous atteindre! Personne n'écoute jamais le vieux Samus. Qu'est-ce que vous avez fait des sages bleus et rouges? Ne t'inquiète pas du sort de tes amis colorés, vieux fou. Ils sont en sécurité dans notre citadelle, vois-tu? Ce sont nos invités spéciaux. Ils ont gentiment accepté de nous aider dans notre modeste entreprise. Tu avais tort, Samus. L'écho noir peut être contrôlé. Nous avons appris ses secrets. Et maintenant, nous pouvons façonner le monde à notre gré. Vous ne pouvez pas contrôler l'écho noir. Même les précurseurs... Jusqu'à présent, nous nous sommes débrouillés avec le peu d'écho disponible en surface. Mais bientôt, nous pourrons accéder à des stocks d'écho noirs enfouis sous terre. Pas les silos! Si, les silos. Ils seront ouverts et toutes les écho noirs du monde nous appartiendra! Mais c'est impossible! Seul un robot précurseur... Oh, n'aie pas l'air si embêté, Samus. Nous avons de grands projets pour toi. Attends une minute! C'était Gol? Le même Gol qui doit me rétablir?
Bol est le type qui essaie de nous tuer. Je suis maudit. Nous sommes sans doute tous maudits. S'ils ouvrent les silos, l'écho noir se libérera et détruira tout ce qu'elle touche. Nous devons nous rendre à leur citadelle pour les arrêter. Le meilleur moyen est de passer par le canal lavique au fond de ce cratère. Encore quelques piles d'énergie et le bouclier thermique du zoomer pourra te permettre de traverser la lave. Très bien, mon garçon. Tu sais quoi faire. Embarque le sac à puce et rassemble plus de piles d'énergie.